Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux endomorphismes continus dans un espace vectoriel normé quelconque, mais plus particulièrement dans un Hilbert. Si E est de dimension finie, on sait que tout endomorphisme est continu. L'implication est fausse en dimension infinie, et on voit cet exemple des fonctions C infini sur l'intervalle 0,2 pi à valeur dans R muni de la norme de la convergence uniforme, avec l'opérateur dérivateur qui est dérivation qui est évidemment linéaire. Montrons que U n'est pas continue en prenant la suite Fn pour n supérieur ou égal à 1 donnée par cette formule. Donc les Fn sont C infini, donc appartiennent à E, F'n est égal à ça. Et on voit que valeur absolue de F'n de x est inférieure ou égale à ça avec égalité pour x égale 0, donc la norme est égale à racine de n. Fn de x est inférieur ou égal à ça, égalité si x égale pi sur 2n, hein. Donc norme de Fn est égale à 1 sur racine de n. Fn de x moins 0 évidemment est inférieur ou égal à 1 sur racine de n, ce qui nous dit, quel que soit x, qui nous dit que la norme de. Ce qui nous dit que Fn tend uniformément, ben, converge uniformément vers la fonction nulle. Donc en fait, Fn tend vers 0 dans cet espace avec cette norme. Et voilà, c'est ça. U de Fn c'est F'n, bah lui il tend pas vers 0 parce que la norme de F'n est égale à racine de n et elle tend vers plus l'infini. Donc F'n moins 0, c'est-à-dire la dérivée du 0, ça ne tend pas vers 0. Donc U de Fn ne tend pas vers 0, donc ça prouve bien que U n'est pas continu. Valeur propre, si E est un C espace vectoriel de dimension finie et que F appartient à L de E, F a des valeurs propres, évidemment, complexes. Hein. C'est faux en dimension infinie, même si E est un Hilbert, et même si F est continu sur cet espace de Hilbert. Exemple, E égale L de EC, l'espace vectoriel des suites UN, N appartenant à N, donc des suites à valeurs complexes. Hein. Donc ça, c'est appartenant à C puissance grand N, pardon. Tel que somme de 0 à plus l'infini des un au carré est inférieure à plus l'infini muni du produit scalaire UV, hein, c'est une suite, ça c'est une suite aussi, égale somme de 0 à plus l'infini des U bar VI. La norme de U au carré est égale à ça, et donc la norme est égale à ça. Eh bien, on sait... Alors, je vous invite à voir le chapitre consacré aux espaces hermitiens et hilbertiens, que E est un espace de Hilbert, alors ça c'est à dire qu'il y a un produit scalaire, une forme sesquilinéaire définie positive et automatiquement non dégénérée, plus, et qu'il est complet. Hein. Pré-hilbertien complexe et complet. Eh bien, soit U, l'opérateur de décalage, c'est-à-dire qui a une suite xn associe la même suite mais décalée d'un rang en prenant x'0 égale 0, puis ensuite x'1 égale x0, x'2 égale x1, etc. etc. Voilà. Alors évidemment, cette suite, elle appartient, si la première appartient à E, l'autre appartient à E aussi, parce que la somme de 0 à plus l'infini des modules, hein, c'est modules, des x'n au carré, ça va être égal. Vu que le premier terme vaut 0, ça va être égal à ça, d'accord, au carré, toujours. Et comme les xn moins 1, c'est en fait, les x'n, c'est les xn moins 1, je décale d'un rang après, ça fait exactement ça. Voilà. Donc x' appartient à E, et la norme de x' va être égale à la norme de x. Voilà. Alors, linéarité, bah, linéarité, si je, c'est évident, hein, si je prends deux suites x, y, j'examine la suite lambda x plus y, bah, en 0, elle vaut 0 par définition, et puis pour n supérieur ou égal à 1, au rang n, elle vaut en fait lambda xn moins 1 plus yn moins 1, c'est-à-dire lambda x'n plus y'n. Donc on a bien que U de lambda x plus y est égal à lambda U de x plus U de y. Donc elle est linéaire.
La continuité, ben, on vient de voir que la suite x' avait la même norme que la suite x, donc on a ça. Donc c'est une fonction, c'est une isométrie, hein, donc c'est continu. Alors supposons maintenant qu'il y ait une valeur propre lambda appartenant à C, telle que, alors, s'il y a une valeur propre, c'est-à-dire que pour x appartenant à E, on a u de x égale lambda x. Donc x'n est égal à lambda xn, quel que soit n appartenant à n. Si lambda est différent de 0, ben, au rang 0, x'n qui vaut 0 va être égal à lambda x0, et donc x0 sera nul. Supposons que xn soit nul. On va montrer en fait que xn est nul, quel que soit n appartenant à la grande n par récurrence. Donc on l'a déjà au rang 0, supposons xn égal à 0. Bah, grâce à ça, ça me dit quoi? Si x'n plus 1 va être égal à lambda xn plus 1, mais x'n plus 1 c'est xn. Et donc comme xn est nul et que lambda est différent de 0, ça fait que xn plus 1 est égal à 0. Donc xn égale 0 implique xn plus 1 égale 0, par récurrence, tous les xk sont nuls. Donc la suite x est nulle. Et si lambda est égal à 0, j'ai x'n qui va être égal à 0, quel que soit n. Donc comme x'n, ça réalise juste un décalage, hein, bah, tous les xn vont être nuls, quel que soit n. Donc x est égal à 0 aussi. Donc en fait, le seul vecteur propre possible associé à la valeur propre lambda, c'est 0. Et donc ce n'est pas un vecteur propre. Donc U n'a pas de valeur propre. Est un espace vectoriel normé de dimension finie et F un automorphisme de E, alors F et F-1 sont continus. Ça, on le sait, on l'a démontré en cours de topologie. Si E est un espèce de Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complet, et que F est un automorphisme et que F est continu, alors F-1 est continu. On a ça quand l'espace est complet. Donc en particulier, c'est vrai si E est un espace de Hilbert. Mais c'est faux si E est un espace vectoriel de dimension infinie non complet. De toute façon, s'il était de dimension finie, il serait complet. Par exemple, E égale R de X, l'ensemble des polynômes à coefficient dans R, muni de la norme, norme de P est égale à sup pour n appartenant à grand n, hein, des pnm de 0 sur factoriel n, ce qui correspond en fait au sub des coefficients valeur absolue de ak, quand k varie entre 0 et n, si p est comme ça. Alors on a évidemment norme de p qui est supérieure ou égale à 0, hein, puisque c'est sub de nombre positif. Et P égale 0 implique que tous les AK sont nuls, donc P est égal à 0. Donc norme de P égale 0 implique P égale 0. Si lambda appartient à R, la norme de lambda P, c'est le sup de la dérivée énième de lambda P. Mais la dérivée de énième de lambda P en 0, c'est lambda dérivée énième de P en 0, divisé par factoriel n. On sort le module de la valeur absolue de lambda, et on trouve, évidemment, valeur absolue norme de P. Enfin, si P et Q appartiennent à R de X, on fait P plus Q énième de 0 qui est égal à ça, donc on prend la valeur absolue, inégalité triangulaire, on en déduit que le sup de ça divisé, enfin le sup de ça divisé par factoriel n, ben, c'est inférieur ou égal au sup de ça divisé par factoriel n plus le sup de ça divisé par factoriel n, et donc on a bien toutes les propriétés qui font que c'est une norme. Donc on a bien un espace vectoriel normé. Il n'est pas complet. Alors on prend cette suite-là, et on remarque que si n appartient à n et que p est strictement positif, pn plus p moins pn, c'est ça. D'accord ? Et que la norme de ça, bah, c'est ça. La plus grande valeur des 1 sur factoriel k, elle est prise pour 1 sur n plus 1 factoriel. Et que ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini, quel que soit p. Donc c'est pn et Cauchy, parce que ça peut être rendu inférieur à epsilon pour n assez grand. Supposons que pn converge vers un polynôme, par exemple somme de 0 à p,
Il y a un camp XK appartenant à R de X. Ce polynôme est différent de 0 parce que la norme des Pn a, en fait, le plus grand des coefficients divisés par factorial n, c'est en fait le premier, c'est 1 sur factorial 1, c'est 1. D'accord ? Or, comme on a ça, quel que soit n, ça ne tend pas vers 0. Donc P n'est pas égal à 0. P est différent de 0. Voilà. Maintenant, pour n supérieur à P, le coefficient en x puissance P plus 1 de Pn moins P, ça va être quoi ? Eh bien, comme P est de degré au plus P, petit p, le coefficient en x puissance P plus 1 dans ça, c'est 0. Donc, ça va être ça. Le coefficient, en fait, ça va être 1 sur factoriel P plus 1. Donc, le plus grand des coefficients de Pn moins P, en valeur absolue, il va être forcément supérieur ou égal à ça. D'accord ? Alors ça, c'est pas un truc qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, norme de Pn moins P ne tend pas vers 0. Donc, ça veut dire que Pn ne tend pas vers P. Donc, on a démontré que P n'était pas nul et que Pn ne tend pas vers P. Voilà. Alors, c'est pas tellement surprenant ce résultat parce que somme de 0 à plus l'infini, hein, on fait tendre n vers l'infini, dxk sur factoriel k, ça tend vers exponentielle x qui n'est pas un polynôme. Voilà, donc c'est pas de Cauchy, hein. Donc il n'est pas complet. On a trouvé une suite qui était, non, c'est de Cauchy, mais c'est pas convergent, donc c'est pas complet. On a trouvé une suite de Cauchy non convergent. Alors maintenant, on considère l'application U qui, au polynôme P, associe le polynôme obtenu en divisant chaque coefficient d'ordre K par K plus 1. Alors c'est évidemment linéaire parce que si on multiplie P par lambda, les AK vont être multipliés par lambda. Bon, et là, ça va nous faire lambda AK sur ça. Et donc, on va trouver que U de P égale lambda U de lambda P égale lambda U de P. Puis ensuite, si on prend P plus Q, on va se retrouver, on peut toujours se débrouiller, quitte à rajouter des zéros, on peut toujours se débrouiller pour que P plus Q s'arrête au même rang, et à ce moment-là, donc prendre somme de 0 à n des AK XK pour P, et somme de 0 à n des BK XK pour Q, et donc là, dans U de P plus Q, on aura des AK plus BK ici. Et donc, on voit tout de suite que ça va faire U de P plus U de Q. Donc, U appartient, est un endomorphisme de norme de U de P. C'est le sup des AK sur K plus 1. Donc, on divise par quelque chose qui est plus grand que 1. Donc, c'est inférieur ou égal à la sup des AK qui est norme de P. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça, c'est du pchitien, donc continue. Et on remarque que norme de U de P est égale à norme de P parce que pour P égale 1. Pour P égale 1, les deux font 1. Donc la norme de U est égale à 1. Voilà. Donc U est continue de norme 1. Soit V maintenant, qui fait le contraire de ça, c'est-à-dire qui, au lieu de diviser par K plus 1, multiplie par K plus 1. Donc, quand on fait d'abord ça et qu'on fait ensuite ça, ben on retombe sur P. Et quand on fait d'abord ça et ensuite ça, on retombe sur P aussi. D'accord ? Donc, c'est linéaire et V rond U égale U rond V égale identité. Donc, U est inversible et V égale U moins 1. V n'est pas continu, car si on prend ce polynôme-là, la norme de Pn, ben c'est 1 sur n, elle tend vers 0, donc Pn tend vers 0. Mais V de Pn, lui, il devrait tendre vers V de 0, si c'était continu. V de 0 qui fait 0. Mais V de Pn, c'est... on multiplie tous le coefficient... Voilà.
Là, c'est un coefficient d'ordre n, on multiplie par n, v de pn, c'est xn. Et norme de ça, c'est 1. Et ça ne tend pas vers 0. Donc vpn ne tend pas vers v de 0 égale 0. D'accord? Donc ça veut dire que v n'est pas continue. Elle n'est pas continue parce qu'on a trouvé une suite qui tend vers 0 et v de pn ne tend pas vers 0. Donc, conclusion. E égale R de x est un EVN, est un espace vectoriel normé pour cette norme-là, qui n'est pas complet. Et l'application U est un endomorphisme bijectif, un automorphisme de E, qui est continu, U est continu, mais qui n'est pas un homéomorphisme, parce que sa réciproque n'est pas continue. Endomorphisme compact. Alors on dit qu'un endomorphisme U de l'espace vectoriel normé E est compact si pour toute suite bornée xn de E, on peut extraire une sous-suite xnk, telle que la suite U de xnk est convergente. Alors, U est continu, c'est-à-dire que U compact implique U continu. Démonstration, U est linéaire, donc il suffit de démontrer que U est borné sur la boule fermée de centre O et de rayon 1. Montrons que l'adhérence de l'image de cette boule par U, que j'appelle K, est compacte, soit yn une suite de K. Quel que soit n positif, je peux trouver donc U de quelque chose qui appartient à F, je vais l'appeler U de xn, qui soit très près de yn. Donc, je peux trouver xn appartenant à Bf de 0,1 tel que la norme, la distance entre yn moins u de xn soit inférieure ou égale à 1 sur n. La suite xn est bornée, hein, parce qu'elle appartient à la boule fermée, et u est compact, donc on en extrait une sous-suite xnk, telle que u de xnk tend vers a appartenant à e. Alors, on a ça. Donc, quand k tend vers plus l'infini, on voit que yNk moins u de xNk tend vers 0, mais u de xNk tend vers 1. U de xNk tend vers 1. Donc, par addition, yNk tend vers, que je peux écrire yNk moins u de xNk plus u de xNk, ça tend vers A. U de xNk, ça appartient à ça, qui est inclus dans k, qui est fermé. Donc les u de xnk appartiennent à un ensemble qui est fermé, à k qui est fermé. Donc leur limite a va appartenir à k. D'accord? Donc de toute suite yn de k, on peut extraire une sous-suite ynk convergent dans k. Donc k est compact et borné. De toute suite, on peut extraire une sous-suite convergente. Donc k est compact, donc borné, pardon. Donc borné. De toute façon, oui. Donc borné. U de BF de 0,1 est inclus dans K, qui est borné. Donc, ça veut dire que U est borné sur BF de 0,1. Donc, j'ai démontré que puisque U est borné sur BF de 0,1, bah, ça veut dire que U est continu. Ça, c'est le théorème de topologie. Un autre théorème de topologie, c'est le rappel du théorème de Ries. C'est que si E est un espace vectoriel normé, E est de dimension finie si et seulement si la boule fermée unité est compacte. Alors, ça va nous servir pour la démonstration suivante. Si on a U, un endomorphisme compact de l'EVN grand E, alors, quelle que soit une valeur propre lambda non nulle, donc s'il existe une valeur propre lambda non nulle, le sous-espace propre E lambda, c'est-à-dire K de U moins lambda identité, ou encore U moins lambda identité moins 1 de 0, est de dimension finie. Alors, celui-là, là, E lambda, il est fermé, puisque 0 est un fermé de E, et que U moins lambda identité est continu, puisque U est compact, donc continu, et l'identité est continue. Voilà. Donc E lambda est fermé. Soit F égale E lambda inter BF de 0,1. Intersection de fermé, donc fermé.
c'est un fermé qui est inclus dans le lambda. Soit xn, une suite de f. F est borné. F est borné parce qu'il est inclus dans BF. Et U est compact. Donc il existe une sous-suite xnk telle que de U de xnk converge vers A qui appartient à E. Mais U de xnk est égal à lambda xnk. Donc lambda xnk tend vers A. Et comme lambda est différent de 0, xnk tend vers A sur lambda. Donc, mais les xnk appartiennent à F. Les xnk appartiennent à F, qui est fermé. Donc, passage à la limite, A sur lambda appartient à F. De toute suite xn de F. On a donc pu extraire une suite xnk convergent vers A sur lambda appartenant à F. Donc ça veut dire que F est un compact. Alors il était inclus dans E lambda, un compact de E lambda. Et F, c'est évidemment la boule unité fermée de l'espace vectoriel E lambda. Et comme grand F est un compact de E lambda, on applique le théorème de Ritz et on obtient que E lambda est un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Quelques remarques. Dans un espace vectoriel préhilbertien complexe de dimension infinie, même si c'est un espace vectoriel de Hilbert, il existe des applications continues et même immersiennes, si l'espace est de Hilbert, non compactes. Exemple, identité. Identité qui est évidemment continue et qui vérifie identité en x, y, donc produit scalaire égale produit scalaire x, y égale produit scalaire x identité de y. Et donc, quel que soit x, y, donc le l'endomorphisme identité est hermitien, elle n'est pas compacte. Sinon, quelle que soit une suite xn appartenant à la boule fermée de centre 0 et de rayon 1, il existera une sous-suite xnk, telle que id de xnk est convergente dans E. Donc, xnk, bah, id de xnk, ça ferait xnk convergente. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que quelle que soit une suite dans BF, il existe une sous-suite convergente. Donc la boule BF serait compacte. Elle serait compacte, et d'après le théorème de Ritz, l'espace vectoriel E serait de dimension finie, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse. Dans un espace de Hilbert et même hermitien, si U est un endomorphisme continu compact, alors il n'est pas forcément hermitien. Il suffit de prendre E égale C2, uni de sa base canonique, U appart à un endomorphisme de matrice A dans la base. Théa bar évidemment n'est pas égal à A, donc U n'est pas hermitien, pourtant U est continu parce qu'on est en dimension finie. Dans un espace hermitien E, hermitien donc de dimension finie. Tout endomorphisme est compact, démonstration si Xn est une suite bornée comme ça, bah, puisque U est un endomorphisme qu'on est en dimension finie, il est continu, donc on a ça. Donc la suite U de Xn est une suite bornée. On est en dimension finie, on peut appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass et en extraire une sous-suite convergente. Donc, U est compacte. Théorème, soit U un endomorphisme compact d'un espace hilbertien grand E, alors quel que soit R positif, il y a un nombre au plus fini de valeurs propres lambda de U, tel que module de lambda est supérieur ou égal à R. Démonstration, supposons qu'il y en ait une infinité, on en extrait une suite dénombrable, donc elle vérifie ça, les lambda n étant deux à deux distincts. Quel que soit n, il existe donc un vecteur propre associé xn, donc vérifiant ça. Comme u est continu, on a cette inégalité, norme de u de xn inférieure ou égale à norme de u fois norme de xn, qui nous donne donc ça, et donc valeur absolue, module de lambda n, est inférieur ou égal à norme de U. D'accord ? Donc, une sous-suite, comme la suite lambda n est bornée, hein, elle est bornée, c'est une suite de C hein, qui est bornée, donc, et C est complet, on en extrait donc une sous-suite convergente vers lambda appartenant à C, et comme on a ça, quand on passe à la limite, on obtient ça. Quitte à changer les notations, cette suite-là, je l'appelle lambda k, si bien que j'obtiens une suite lambda n qui tend vers lambda. Soit fn, le sous-espace engendré par x0 jusqu'à xn.
le sous-espace de grand X égale somme des E, des sous-espaces propres E de lambda K, eh bien on sait que grand X est une somme directe. Donc, comme chaque XK appartient à E de lambda K, eh bien les XK sont libres. Donc la dimension de Fn est égale à n plus 1. Donc Fn moins 1 est un sous-espace vectoriel de dimension n de Fn, qui est de dimension n plus 1. Donc son orthogonale est une droite Dn, dans laquelle je prends un vecteur yn normé, c'est-à-dire de norme 1. Comme module de lambda n est supérieur ou égal à r, supérieur à 0, les lambda n sont tous différents de 0, et je peux donc considérer ça, qui est égal à la norme de yn, c'est-à-dire 1, sur module de lambda n. Donc ça va être inférieur ou égal à 1 sur r, puisque ça c'est supérieur ou égal à r. La suite yn sur lambda n est donc une suite bornée, mais U est compacte. Donc on peut en extraire une sous-suite telle que ça, ça convergera. Si m est inférieur à n, U de yn sur lambda n moins U de yn sur lambda m est égal à yn plus zn, où zn, je fais passer yn de l'autre côté, je le mets là-dedans, hein, parce que ça, ça fait yn, et donc je trouve zn égale ça. Yn. Yn, il appartient à Fn, et Fn, c'est une somme directe, donc je peux les composer suivant cette somme directe. Y'n appartient à Fn moins 1. U de Yn va être égal à U de Y' moins lambda ny va être égal à U de Y' plus alpha n U de Xn, hein, voilà, moins, alors lambda ny, c'est-à-dire... lambda n yn moins lambda n alpha n xn. Alors comme ça, ça fait lambda n xn, ça supprime. Donc il ne reste plus que ça. Ça, ça appartient à fn moins 1 parce que yn, y'n appartient à fn moins 1 et que les fn moins 1, il est stable parce que en fait, il est somme de directe de sous-espaces qui sont propres, qui sont donc tous stables par U. Et donc U de y'n, il appartient aussi à fn moins 1. Donc ça veut dire que ça, ça appartient à fn moins 1. Donc 1 sur lambda n, enfin, fois ça, ça appartient à fn moins 1. D'accord ? Moins U de y'm sur lambda n. Alors ça, ça aussi, ça appartient à fn moins 1, parce que ça, ça appartient à fm. Et donc, par U, ça appartient à Fm, et Fm est inclus dans Fn moins 1 parce que m est inférieur à n moins 1. Donc, tout ça, ça appartient à Fn moins 1. Donc, Zn appartient à Fn moins 1. Mais, Yn est orthogonal à Fn moins 1 dans Fn. Donc, ce Yn qui appartient à Fn hein, est orthogonal à Fn moins 1, et dans Fn moins 1, il y a Zn. Donc, Yn est orthogonal à Zn. J'applique le théorème de Pythagore, et comme yn au carré ça fait 1, j'en déduis que ça, ça a une norme supérieure ou égale à 1. Alors ça c'est quoi? Zn plus yn, c'est ça. D'accord? Donc ça, ça a toujours une norme supérieure ou égale à 1, donc je peux l'enlever d'ailleurs au carré. Et donc, quel que soit, j'allais dire, quel que soit m inférieur à n, ou quel que soit n supérieur à m, je vais avoir ça. Et donc, ça ne peut pas être une suite de Cauchy. Et puisque et ça, ça contredit le fait que cette suite-là, on a dit tout à l'heure qu'elle était convergente. Donc, elle est de Cauchy si elle est convergente. C'est-à-dire qu'elle a une sous-suite, elle admet une sous-suite convergente. Donc, elle est de Cauchy, normalement. Et donc, il y a une contradiction. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mal supposé. On avait supposé qu'il y avait une infinité de valeurs propres. Non, il y en a un nombre au plus fini. E est un espace hilbertien non réduit au vecteur nul. U est un endomorphisme compact et hermitien. Alors, norme de U ou l'opposé est une valeur propre de U. Démonstration, U est compact, donc continue. Si U est égal à 0, norme de U vaut 0, et c'est une valeur propre évidente, et ça marche. On suppose maintenant U différente de 0. Comme il est hermitien, on a cette relation, et on va démontrer ça.
parce que U est continu, hein, donc je peux parler d'un ordre. J'applique l'inégalité de Schwarz à ces deux vecteurs, et donc j'obtiens, puisque norme de U de X est inférieure ou égale à norme de U fois norme de X, pour norme de X égale 1, je vais obtenir que le module du produit scalaire U de X, X est inférieur ou égal à norme de U. Donc, le plus grand de ces trucs-là pour X en norme égale 1 existe, le sup existe, et il va être inférieur ou alors je l'appelle C, et il va être inférieur ou égal à U. Si YZ appartient à E, j'ai cette relation, je vous laisse la vérifier, il suffit de développer. Donc, si je considère, et là je fais le ménage là-dedans, il va rester ça. D'accord ? Donc j'appelle alpha ce truc-là, et donc c'est égal à ça. Et je remarque que produit scalaire U de xx est égal, alors si je divise les deux par norme de x, de façon à obtenir un vecteur ici unitaire, je vais obtenir norme de x au carré, alors pour x différent de 0 bien sûr je fais ça, je vais obtenir produit scalaire de U de x sur norme de x, x sur norme de x, donc c'est un vecteur unitaire, donc ça, je sais que c'est inférieur ou égal à c. Donc ça va être inférieur à c x au carré. D'accord ? Relation qui reste vraie si x est égal à 0. Donc j'ai alpha qui va être inférieur ou égal à, alors ça justement, j'applique ce résultat là, en prenant x égale y plus z et x égale y moins z. Alors, comme je majeure, je vais remplacer le moins par plus, parce que tous ces nombres sont positifs, et je vais obtenir que module de alpha est inférieur ou égal à module de ce truc-là plus module de ce truc-là, donc ça me fait y, cy plus z au carré plus cy moins z au carré en module, et donc j'obtiens ça. J'applique la règle du parallélogramme, et donc je peux remplacer ça par ça. Et donc j'obtiens que ça est inférieur ou égal à ça. Bon, oui, parce qu'entre-temps, j'ai utilisé aussi le fait que U de Z, Y, c'est pareil que Z, U de Y. Alors maintenant, je vais prendre Y égale norme de U de X, X, et Z égale U de X. Et donc, ça me fait U de Y, ça fait norme de U de X, U de X, et je sors le norme. Donc, il me reste ça. Puis de l'autre côté, bon, je fais la même chose. Donc ça, ça va être inférieur ou égal à ça. Et là, ça, ça me fait quoi? C'est norme de U de X au carré fois norme de X au carré. Plus CZ2, c'est-à-dire norme de U de X au carré. Donc j'obtiens bien ça. Donc ça veut dire que 2, alors ça, ça fait quoi? Ça fait 2 norme de U de X, norme de U de X au carré. Est inférieur ou égal à ça. D'accord. Si norme de U, alors, pour norme de X est égal à 1, ça va me donner que norme de U de X est inférieur ou égal à C. D'accord. Bon, je vais le faire un petit peu autrement. Si U de X égale, est différent de 0, je vais pouvoir diviser par norme de U de X au carré. Et je vais obtenir que norme de U de X est inférieur ou égal à C. D'accord ? Et pour X égale 1, ça me fait norme de U de X est inférieur ou égal à C. Alors ça, c'est quand U de X est différent de 0, mais ça reste vrai si U de X est égal à 0. D'accord ? Donc, norme de U de X est toujours inférieur ou égal à C du moment que norme de X est égal à 1. Donc la norme de U est inférieure ou égale à C. Mais comme C est inférieur ou égal à la norme de U, on a l'égalité. Donc ça veut dire que le sup de ces trucs-là est égal à norme de U. Il existe donc une suite xn de E, vérifiant norme de xn égale à 1, tel que on est ça. Alors, remarquons au passage que le produit scalaire U de X, X, qui est égal à X U de X parce qu'il est hermitien, donc à U de X, X conjugué, nous prouve que U de XX appartient à R, quel que soit X appartenant à R. Alors ici,
comme la limite est égale à ça, soit il y a une infinité de termes comme ça qui sont positifs, soit il y a une infinité de négatifs. D'accord ? Donc de toute façon, on pourra extraire une sous-suite xnk, comme ça, qui va tendre vers ce truc-là, epsilon norme de u, c'est-à-dire s'il y a une infinité de négatifs, on prendra epsilon égale moins 1. S'il y a une infinité de positifs, epsilon égale 1. Alors le epsilon norme de u, je l'appelle gamma. Quitte à changer la numérotation, je suppose donc, comme ça, ça m'évite la sous-suite, que c'est la suite u de xn, xn qui tend vers gamma. La suite xn est bornée. Hein, norme de xn est égale à 1. Et u est compact, donc on peut en extraire une suite xnk telle que u de xn tend vers a. Quitte là aussi à changer de numéro, on peut supposer que c'est les u de xn qui tendent vers a. Donc on a 0 inférieur ou égal, alors ça j'ai le droit de le lire parce que c'est positif, à u de xn moins, alors je prends ce terme, moins gamma, norme de x, moins gamma xn, donc je prends la norme au carré, et je développe. Donc ça fait norme de u de xn au carré, plus gamma 2, norme de xn au carré, moins 2 partie réelle, moins 2 gamma partie réelle, parce que gamma est réel, hein, de produit scalaire u de xn, xn. Mais norme de u de xn au carré est inférieur ou égal à norme de u fois norme de xn au carré qui vaut 1, c'est-à-dire à norme de u au carré, donc c'est-à-dire à gamma 2, et puis je sais que u de xn, xn tend vers gamma. Okay. Donc, j'ai ça qui est inférieur ou égal à ça, et ce truc-là, ça tend vers 2 gamma 2 moins 2 gamma fois gamma. C'est-à-dire, ça tend vers 0. D'accord ? Donc, d'après le théorème des gendarmes, ce truc-là tend vers 0. Donc, u de xn moins gamma xn tend vers 0, mais u de xn tend vers a. Donc, gamma xn tend vers a. Xn tend donc vers a sur gamma. Alors, vers A sur gamma, parce que, ça je peux le faire, parce que gamma est différent de 0, vu que U est différent de 0, sa norme est non nulle. Donc, Xn tend vers A sur gamma, U est continu, donc U de Xn tend vers U de A sur gamma. Donc, ça, comme U de Xn tend vers A, ça veut dire que U de A sur gamma égale A. Donc, U de A égale gamma A, et norme de xn est égal à 1, donc la norme de, puisque xn tend vers a sur gamma, je vais obtenir norme de a sur gamma qui est égale à 1, et donc a est différent de 0, et donc j'ai obtenu un vecteur non nul qui vérifie u de a égale gamma, donc gamma est une valeur propre, et a est un vecteur propre associé à gamma. Et ce gamma, ben, c'est epsilon, norme de U. Donc, en fait, c'est soit norme de U, soit son opposé, qui est une valeur propre de U, et c'est gagné. Conséquence, dans un espace de Hilbert, tout endomorphisme hermitien compact a au moins une valeur propre. Parce qu'on a vu que soit norme de U, soit son opposé était une valeur propre. Remarque. Si E est un espace hermitien, tout endomorphisme U de E est compact. En effet, E est dimension finie, comme U est un endomorphisme, il continue, et on peut écrire ça, hein, puisque U a une norme, quel que soit X appartenant à E. Si Xn est une suite bornée de E, il existera positif tel que l'on est ça, quel que soit N, alors U de, norme de U de Xn est inférieure ou égale à... Eh bien, là, en fait, ça va être inférieur ou égal à norme de U fois norme de Xn, mais norme de Xn est inférieur ou égal à A. Donc, c'est inférieur à ou égal à A, norme de U, donc c'est borné. U de Xn est donc une suite bornée. Et on est en dimension finie, donc Bolzano-Weierstrass nous dit qu'on peut en extraire une sous-suite convergente U de Xnk. Donc, U est compact. Si E est hermitien, alors... Un espace hermitien, hein, c'est qu'on est en dimension finie, hein, toujours. Et si U appartenant à L2, donc un endomorphisme, est hermitien, d'accord, donc, alors on peut diagonaliser U dans une base orthonormale. Bon, BK, B égale K, où on a ça avec les lambda K qui appartiennent à R. Bon, on est en dimension finie, ça a déjà été vu. Et on peut mettre les lambda K en ordre décroissant,
Et on a vu que norme de U est égale au plus, à la plus grande des modules, c'est une valeur absolue hein, des lambda k, c'est-à-dire la valeur absolue de lambda 1. Et lambda 1, il appartient à R. Donc ça veut dire que lambda 1 est égal soit à moins U, à moins norme de U, soit à plus norme de U. Voilà. D'accord ? On retrouve alors que norme de U ou moins norme de U est une valeur propre de U. Alors maintenant, on est dans un espace de Hilbert, donc la dimension, elle est quelconque. U, un endomorphisme continu, c'est important. De, et hermitien. Hermitien, ça veut dire ça. Alors, tous les vecteurs propres de U sont, toutes les valeurs propres de U sont réelles. Et si lambda U, mu sont des valeurs propres distinctes, alors les sous-espaces propres associés sont orthogonaux. La démonstration a été faite en dimension finie, c'est la même. Lambda une valeur propre, x un vecteur propre associé, u de x égale lambda x, produit scalaire u de xx est égal à x u de x parce que l'opérateur est hermitien. Donc lambda xx est égal à x lambda x, je sors le lambda ici, ça fait lambda bar xx, c'est-à-dire norme de x au carré, est égal, là je sors le lambda, lambda norme de x au carré. Donc comme x est différent de 0, ben, la norme de x est différente de 0, je divise. Ça fait lambda égale lambda bar, donc lambda appartient à R. Petit 2, donc lambda mu, deux valeurs propres distinctes, x, y, des valeurs propres associées à lambda et à mu. Là, on considère ça, au lieu de la démonstration est presque la même, au lieu de ça. Et u de x, c'est lambda x, u de y, c'est mu y. Je sors le lambda, ça fait lambda bar x, y égale, là je sors le mu. Mais comme les valeurs propres sont réelles, lambda bar est égal à lambda. Et je fais tout passer de l'autre côté, je factorise par produit scalaire xy, donc facteur de lambda moins mu égale 0, et comme lambda moins mu est différent de 0, et bien produit de x, produit scalaire de xy égale 0, quel que soit x appartenant à lambda et y appartenant à mu, parce que ça reste vrai évidemment si x ou y sont égaux à 0. Donc e lambda est orthogonal à e mu, les sous-espaces propres sont orthogonaux. Rappel, alors, ce sont des choses qui ont été dites sur le chapitre consacré aux espaces hermitiens et hilbertiens. E est un espace vectoriel préhilbertien complexe. Si F est un espace, est un sous-espace vectoriel de E, alors F orthogonal est fermé. Si F est un sous-espace complet de E, alors, quel que soit x appartenant à E, il existe un unique y appartenant à F, tel que norme de x moins y soit égale à l'inf des normes de x moins z, quand z appartient à F. Autrement dit, y réalise la plus petite distance entre x et F. On note y égale pf de x. Pf de x, c'est la projection orthogonale de x sur F. Et c'est le seul y appartenant à F, tel que x moins y appartiennent à F orthogonal. Alors on a démontré que PF était linéaire continu, et donc appartient à LC de E, l'ensemble des endomorphismes linéaires continus de E, et norme de PF est égal à 1. F, somme y, F orthogonal est égal à E, alors attention, il est complet, hein, et F orthogonal orthogonal est égal à E. Si X égale XF plus XF orthogonal, suivant F, somme y, F orthogonal, puisque c'est une somme directe, alors PF de X égale XF, car XF appartient à F, et X moins XF, ben, ça fait XF orthogonal, qui appartient à F orthogonal. Soit F un sous-espace complet de E. Alors PF est hermitien, en effet, si X est égal à XF plus YF orthogonal, plus XF orthogonal, et Y à YF plus YF orthogonal, suivant F, somme directe F orthogonal, PF de XY va être égal, alors PF de X, ça va faire XF. Et l'autre, c'est YF plus YF orthogonal, donc linéarité. Et celui-là vaut 0, parce que celui-là est dans F, et celui-là dans F orthogonal. Donc il reste ça. Et de la même façon, quand on fait ça, ça va nous donner XF plus XF orthogonal. Et puis ici, ça va nous donner YF orthogonal. Et puis on applique la linéarité, on trouve ça. Donc, PF de X, Y, produit scalaire, est égal au produit scalaire de X, PF de Y, quel que soit X, Y appartenant
à E, pas F, donc PF est hermitien. Bon, dernière propriété, si E est un espace hilbertien et que F est un sous-espace vectoriel de E, alors l'adhérence de F est un sous-espace vectoriel de E, l'orthogonale de l'adhérence est égale à l'orthogonale de F, et l'adhérence de F, somme directe, l'orthogonale de F, est égale à E. Démonstration. F est inclus dans l'adhérence de F. Donc l'adhérence de F n'est pas vide, par exemple elle contient le vecteur 0. Et F, puisqu'on a cette inclusion, on a celle-là. Orthogonale de F de l'adhérence est inclus dans orthogonale de F. Maintenant, si x, y appartiennent à l'adhérence de F et que lambda appartient à C, x est limite d'éléments de F, y limite d'éléments de F, et lambda x plus y est la limite de lambda xn plus yn, mais comme F est un sous-espace vectoriel, cette limite donc appartient à, évidemment, ça appartient à l'adhérence de F. Parce que ça, c'est une suite de F. Et que ça, c'est la limite d'une suite de F. Donc, adhérence de F est un sous-espace vectoriel de E. Soit Y égale limite de Yn, un élément de l'adhérence de F, où Yn est une suite de F. Soit X appartenant à l'orthogonale de F. X, Yn est égal à 0, quel que soit N. Parce que X appartient à F orthogonale et que les Yn appartiennent à F. Quand je passe à la limite, la limite de yn, ça va faire y. Et comme le produit scalaire est continu, j'obtiens xy est égal à 0 fois. D'accord? Ça, c'est quel que soit x appartenant à f orthogonal, quel que soit y appartenant à l'adhérence de f. Donc l'adhérence de f et l'orthogonale de f sont orthogonaux. Et donc, l'orthogonale de f est inclus dans l'orthogonale de l'adhérence. Et comme on avait l'autre inclusion, bah c'est gagné. L'adhérence de F est fermée dans le complet. Donc, adhérence de F est complet. Donc, comme il est complet, on a ça. D'accord? Rapport à ce qu'on avait vu avant. Et comme ça, c'est pareil que F orthogonale, on a ça. Remarque. Si E est toujours hilbertien et que F est toujours un sous-espace vectoriel de E, ben évidemment, si F orthogonal est réduit au vecteur nul, ben ça veut dire que adhérence de F est égale à E. Et si F est fermé, ben F va être égal à son adhérence. Donc F, somme directe, F orthogonal, est égal à E. Soit E un espace préhilbertien complexe, F une famille de sous-espaces complets, 2A2 orthogonaux de E, ça n'a d'intérêt tout ce qu'on va voir que si grand I est infini. Si c'est fini, si c'est une famille finie, on n'a pas besoin de faire ça. Quel que soit I appartenant à grand I, on a PI, la projection orthogonale sur FI, et G, le sous-espace engendré par tous les vecteurs qui appartiennent aux FI. Ça veut dire qu'un vecteur de G, ça s'écrit comme une somme de vecteurs de Fi. Donc, quel que soit x appartenant à G, il existe J, une somme finie. Et J fini, inclus dans I, tel que x est une somme de xk pour k appartenant à G. Ça veut dire que xk appartient à F. C'est une écriture unique, modulo des zéros, car si F appartient à J, alors PJ de x est égal à la somme des PJ de xk, d'accord? Et ça fait xj. Pourquoi? Parce que pour k différents de j, comme fk est orthogonal à fj, pj de xk est égal à 0. Et pour k égale j, bah, ça fait que pj de xk égale pj de xj est égal à xj. Donc, x appartient à g implique que x est égal à la somme des pk de x pour k appartenant à j. Voilà, les xk, c'est en fait des pk de x. Réciproquement, si g est fini, inclus dans i, alors, la somme des pk de x pour k appartenant à j, ben, c'est une somme de vecteurs qui sont dans fk, et donc elle appartient à j, une somme finie, donc elle appartient à j. De plus, si x est égal à somme des pk de x pour k appartenant à j, et que je prends j n'appartenant pas à j,
comme PJ de PK de X va être égal à 0, hein, car J est différent de K. Donc, PJ de X va être égal à 0, quel que soit J appartenant à J. Donc, ça veut dire que, quel que soit X, alors, non nul appartenant à G, il y a uniquement un nombre fini de PI de X, il y a un nombre fini au total de PI de X, voilà, différent de 0. Et que la somme de ces PI de X différents de 0, bah, justement, elle est égale à X. Donc, la famille des PI de X pour I appartenant à I, elle est sommable et sa somme c'est X. Alors montrons que quel que soit XY appartenant à E et J fini incluant I, on a ce produit scalaire qui est égal à ça. Alors on va... il suffit de développer ça, ça. Voilà. Donc ça fait XY moins... somme des x pj de y moins somme des pj de y, pi de x y plus somme des pi de x pj de y. Mais attention, vous voyez, différent de j, ça fait 0. Il y en a un qui est dans fi, l'autre dans j. Donc il ne reste plus que pi égale j, ce qui va nous faire ça. Pi de x, pi de y. Ces deux-là, ben, ils se suppriment parce que pj est hermitien. Donc x pj de y est égal à pj de x y, quel que soit j appartenant à j. Donc ça, ça suffit avec ça. Donc il ne reste plus que. Donc il ne reste plus que xy plus ce truc-là. D'accord? Et de plus, il ne reste plus que ça. Et bien c'est ça. De plus, si x appartient à E, pour toute famille finie, y, I, I appartenant à J. Alors les YI appartiennent à FJ, J fini incluant I. La norme ici est inférieure ou égale à la norme ici. Démonstration. Alors j'appelle Z ce truc-là et Z' ce truc-là, quel que soit K appartenant à J, PK de Z. C'est PK de X moins somme des PK des PI. PI appartient à FI, donc ça va faire 0 ça, si K est différent de I. Donc il va rester plus que le K, I égale K, pour lequel ça fera PK de X. PK de X moins PK de X égale 0. Donc Z appartient à FK, quel que soit K appartenant à J. Quel que soit K appartenant à J... j'ai donc pk de x, alors yk, là c'est dans les hypothèses, il appartient à fk, pk de x, bah, lui il appartient à fk aussi, bien sûr. Hein. Donc, z, qui est orthogonal à fk, va être orthogonal à ça, puisque là j'ai la somme de deux vecteurs de fk. Voilà, donc j'ai ça. Et quand je regarde maintenant z', c'est une somme de vecteurs comme ça. D'accord, voilà. Donc, si je fais la somme de vecteurs qui sont tous orthogonaux à Z, j'obtiens un vecteur orthogonal à Z. Donc, Z' est orthogonal à Z. J'applique donc Pythagore. D'accord. Et j'obtiens que norme de Z est inférieure ou égale à norme de Z plus Z'. Mais Z plus Z', c'est quoi? C'est Z plus Z'. Et je vois que il y a... Alors, quand je dis ça, on est d'accord que c'est ça, hein. Il va rester que x moins la somme des yi, d'accord? Et donc, ça veut dire que la norme de z, c'est-à-dire ça, est inférieure ou égale à x, la norme de somme des... Bah, c'est exactement ça. Et c'est gagné. Théorème de la décomposition orthogonale. E est un espace de Hilbert, FI une famille de sous-espaces vectoriels complets, 2 à 2 orthogonaux de E. PK, la projection orthogonale sur FK... et G, le sous-espace engendré par la réunion d'AFK, autrement dit la somme finie de XK appartenant à FK. Et F, l'adhérence de G. Alors, quel que soit X appartenant à G, il existe une unique famille XI, I appartenant à I, XI appartenant à FI, sommable de somme égale à X. Alors, c'est la famille XI égale PI de X, I appartenant à X. On dit que cette famille FI est une décomposition orthogonale de F. Attention, sous-espace complet. Démonstration. Soit X appartenant à F, quel que soit X positif, quel que soit epsilon positif. Il existe donc, puisque F est égal à adhérence de G, il existe Y appartenant à G, vérifions ça. Comme Y appartenant à G, il existe une partie finie J0 de J, tel que Y soit égal
à une somme finie de pi de y. Je les appelle y. Pour chaque partie finie j inclus dans i contenant j0, on a x moins somme pour i appartenant à j des pi de x inférieur ou égal à ça. Ça, c'est le résultat qu'on vient juste de démontrer. D'accord ? Et ça, c'est exactement x moins y. D'accord ? Voilà. Donc, et ça, c'est inférieur à epsilon. Donc, ça veut dire que cette famille-là, puisque c'est vrai pour chaque partie j de i contenant j0, ben c'est exactement la définition d'une famille sommable. Elle est sommable et sa somme est égale à x. Alors, supposons maintenant qu'on en ait une autre décomposition, hein, yi, i appartenant à i, une famille sommable de somme x, hein, avec yi appartenant à fi, quel que soit i appartenant à i. Bien, quel que soit y appartenant, quel que soit j, pardon, appartenant à i, pj est continu. Donc, comme cette somme, hein, des pj de yi, hein, oui, parce que de somme x, c'est-à-dire la somme des y, i, oui, appartenant à i, est égale à x. Donc quand on va faire pj de x, ça va faire la somme des pj de y, i. D'accord ? Ça, c'est la continuité de pj. Mais pour j différent de i, pj de y, i, ça fait 0. D'accord ? Simplement parce que yi, il appartient à fi. Donc, pj de x, du coup, va être égal simplement à pj de xj, c'est-à-dire yj. Et donc, on s'aperçoit que yj, c'est pj de x. Et donc, on tombe bien sur cette somme-là. Donc, on a démontré l'existence et puis l'unicité. Théorème, hein. E est un espace de Hilbert, U un endomorphisme de E, hermitien compact, et VP l'ensemble des valeurs propres de U, ce qu'on appelle le spectre. F le sous-espace engendré par les vecteurs propres de U, donc engendré par la réunion de tous les sous-espaces propres E lambda, lambda étant une valeur propre. Hein. Alors, G bar, c'est-à-dire l'adhérence de G est égale à E, et les E lambda, lambda appartenant à VP, c'est-à-dire les sous-espaces propres, forment une décomposition orthogonale de E. Pour tout X appartenant à E, il existe une unique famille X lambda, lambda appartenant à VP, sommable de somme X, et on a X lambda, on l'a déjà démontré ça, est égal à P de X, projection orthogonale de X, sur E lambda, quel que soit lambda. Démonstration F égale G bar, montrons que F est égal à E, soit lambda une valeur propre, E lambda est égal à ça, R de U moins lambda identité, comme U est continu, U moins lambda identité aussi, et comme O est fermé, E lambda est fermé. Fermé donc complet, puisqu'on est dans un espace de Hilbert complet. De plus, si on prend deux valeurs propres distinctes, on sait que E lambda est orthogonal à U. Soit X appartenant à G, il peut s'écrire comme une somme finie de Y lambda, les lambda appartenant à I finis inclus dans VP. On va l'écrire ça plus simplement comme ça, où les yk appartiennent à E de lambda k. U de x est égal à ça, donc à ça, et donc comme ça, ça appartient à E de lambda k, on voit que si x appartient à g, ça on le savait, U de x appartient à g. Donc U de g est inclus dans g. Si x appartient à g bar, il est limite de xn, où xn appartient à g, mais U est compact, donc continue. Donc U de x égale limite de xn, et comme xn, U de xn appartient à G, on a forcément, puisque ça appartient à G, U de x qui appartient à G bar. Donc ça veut dire que U de G bar, parce qu'on avait pris x appartenant à G bar, implique que U de x appartient à G bar. Donc U de G bar est inclus dans G bar. Donc U de f est inclus dans f. Voilà. Montrons que U de f orthogonal est inclus dans f orthogonal. En prenant x appartenant à f orthogonal, et y appartenant à f, comme y appartient à f, qui est stable par u, u de y appartient à f. U est hermitien, donc on a ça. Mais là, x appartient à f orthogonal, u de y appartient à f, ça fait 0. Quel que soit y appartenant à f, donc u de x appartient à f orthogonal. Donc, pour tout x appartenant à f orthogonal.
Donc, U de F orthogonal est stable, ce qu'on savait aussi d'ailleurs. Donc, comme F égale G bar est fermé, donc complet aussi, F, somme directe, F orthogonal est égal à E. Supposons que F orthogonal est différent de 0. La restriction V de U à F orthogonal, c'est possible parce que F orthogonal est stable par E. Est hermitien, parce qu'on a V de XY égale U de XY, puisque X appartient à F orthogonal, égale X U de Y, puisque Y appartient à F orthogonal, ça fait aussi X V de Y, quel que soit XY appartenant à F orthogonal. Et V est compact, car si Xn est une suite bornée de F orthogonal, c'est aussi une suite bornée de E, et comme U est compact, il existe une sous-suite Xnk, telle que U de Xnk envers A appartenant à E. Maintenant, les Xn appartiennent à F orthogonal, et U de F orthogonal est inclus dans F orthogonal, donc V de Xn qui est égal à U de Xn appartient à F orthogonal. Et F orthogonal est fermé, parce que F est fermé. Et V de Xnk, c'est U de Xnk qui tend vers A, d'accord ? Donc, comme les Xnk appartiennent à F orthogonal et qu'il est fermé, A appartient à F orthogonal. D'accord ? Donc, ça veut dire que V est compact, puisqu'on a su extraire une sous-suite qui tend vers A appartenant à F orthogonal. V est compact, hermitien sur F orthogonal, donc il admet une valeur propre lambda et un vecteur propre X associé qui appartient à F orthogonal. Donc on a U de X égale V de X égale lambda X, donc X appartient à G, donc à F, mais X appartient aussi à F orthogonal. Et F intersection F orthogonal est égal à 0, puisque F et F orthogonal sont supplémentaires dans E. Donc X est égal à vecteur nul. Donc F orthogonal égale 0. Donc E qui était égal à F, somme directe F orthogonal, bah, va faire F. Et donc, on obtient donc le résultat E égale F, c'est-à-dire G bar est égal F, c'est G bar. Hein, voilà. Et on sait que dans ce cas-là, puisque les E lambda sont complets, hein, ils sont fermés, et qu'ils sont 2 à 2 orthogonaux, eh bien, ils forment une décomposition orthogonale de E, et on a ça, on l'a déjà démontré.